Guinéens et Guinéennes, c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous venons d'apprendre hier soir l'explosion du dépôt des hydrocarbures de la Société guinéenne des hydrocarbures SGP à Conakry, précisément à Kaloum, le siège de l'ensemble de nos institutions. C'est pourquoi j'exprime mes condoléances les plus émues pour toutes les victimes et aussi ma compassion pour des dizaines de blessés dans cet événement malheureux. Que Dieu puissant et miséricorde puisse apporter la paix pour ceux qui sont partis et que Dieu leur accorde le paradis. Mesdames et messieurs, des événements comme celui-ci sont l'occasion d'exprimer notre solidarité en tant que nation. Notre solidarité, notre compassion, nos condoléances aux familles, au gouvernement et à l'ensemble du peuple de Guinée. C'est aussi l'occasion de manifester notre solidarité d'une manière pratique et encourager le gouvernement qui a déjà agi dans le sens d'alléger la souffrance de ces pauvres victimes. Qu'Allah le Tout-Puissant puisse sauvegarder notre pays, la Guinée.